Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser une carte ultra simple. Vous allez voir, c'est vraiment le cas. Sur le thème des bonsaïs, réalisée avec les lots Treasure Kindness et les souhaits essentiels. Une petite promenade en Asie pour aujourd'hui. Donc, comme je l'ai dit précédemment, c'est au tour de la vidéo de la carte ultra simple. Et hop, je prépare mon coupe-papier. Je ne sais plus si j'ai marqué mes plis ou pas, je dois dire. Alors, donc, la première carte que j'avais réalisée, c'est celle-ci. Et je vais d'ailleurs toujours travailler avec Treasure Kindness. Mais je vais évidemment changer. Donc celle-ci, elle était en macaron à la menthe avec un DSP qui est terminé, qui s'appelait Jour Splendide et que j'adorais. Et donc les deux mêmes sets de tampons, Treasure Kindness, le voici. Je le trouve magnifique, magnifique. Ce sont des tampons en deux temps et nous allons les réaliser ensemble. Et les souhaits essentiels, alors ceux-là c'est pareil, je les adore. Bon, forcément, je vous dis ce que je n'aime pas, je ne l'achète pas, donc forcément, vous ne les voyez pas. Mais c'est vrai que, bon, j'aime beaucoup les souhaits, j'aime bien les souhaits éventuellement séparés. Ce que j'aime dans ceux-là, c'est que, alors moi je vais vous montrer l'arrière, parce que vous avez trois fois mille merci, trois fois bon anniversaire, trois fois un petit mot, mais vous voyez, les polices d'écriture sont différentes et la dimension des écritures sont différentes aussi. Et je trouve que c'est super. Nous avons aussi trois fois je pense à toi et un seul petit salut. Voilà. Donc ça, je vais m'en servir tout à l'heure. Et donc là, je vais vous donner ces dimensions-là parce que moi, je vais évidemment... J'aime pas refaire les choses deux fois exactement pareil. Donc, je vais évidemment changer. Donc, pour celle-ci, hop, je prends ma feuille parce que je ne vais plus m'en rappeler. J'avais mis 16,5 en largeur sur 15 en hauteur. C'est cela même. Et donc là, j'avais fait un pli à 6,5. Vous voyez, pour donner un format complètement différent. Et puis ensuite, j'avais fait un rectangle couture pour mettre mon souhait et la décoration. Voilà. Donc, on va reprendre les mêmes, entre guillemets, mais avec un format différent et un DSP différent. Alors, les souhaits essentiels, je fais tout. 158, 766, ça, c'est dans le catalogue annuel, page 26. Et franchement, ils sont... Enfin, moi, je les aime particulièrement. Quand on fait une carte et qu'on ne sait pas à qui on la destine, on peut toujours mettre un petit mot et puis ensuite on va mettre le souhait à l'intérieur de la carte. Et donc Treasure Kindness, c'est aussi dans le catalogue annuel. C'est 158 940 et c'est à la page 89. C'est 22 euros, celui-là c'était 30. Et là c'était, alors je ne sais pas qui était l'autrice, mais c'était pour 1 million d'euros de vente. Donc voilà. Grosso modo, après, forcément, il y avait les rectangles couture, et puis c'est tout. Ah oui, il y avait cette petite découpe d'étiquette qui vient des poinçons tiges splendides, mais je ne sais pas. Il me semble que j'avais décidé de faire tout à plat, de pas découper l'étiquette pour changer. Donc, les tampons, je vais les mettre là. Alors. Juste un instant, je suis obligée d'aller ouvrir à mon chat qui a décidé de profiter du soleil. Hop. Mais dans 5 minutes, s'il fait trop froid, il va vouloir rentrer. Alors là, je les ai beaucoup travaillés, mais je ne vous les ai pas encore présentés. Ce sont les papiers qui s'appellent animaux de la savane. Donc, ils sont en blanc et argent et blanc et or. Donc, je vous montre déjà le côté blanc et argent. Nous avons du zébré, nous avons du tacheté et nous avons, on va dire, un petit peu un motif écaille. Et alors, donc, un côté métallisé, un côté, regardez comme ils sont beaux. Alors, ceux-là, j'ai fait beaucoup de choses. Aujourd'hui, on va travailler ceux-là. Au départ, je pensais faire ça en ombrant. Puis, quand j'ai vu l'arrière, je dis non, je vais faire en l'arrière. Et les zébrés, forcément, ils sont magnifiques aussi. Donc, ça, c'est les côtés argent. Hop. Et le côté or, nous avons
un style croco. Mais c'est bien parce qu'on ne tue pas les animaux, c'est que du papier. Nous avons. Hop, hop, hop. Alors, pas les mêmes types de tâches. Attendez, parce que comme j'aime beaucoup, voilà, des, on va dire, grosses tâches, avec le, on va dire, un peu les tâches de la girafe. Avec, voilà. Alors, les gris, c'est avec du, et là, c'est avec du, plutôt des neutres. Et là, nous avons, on va dire, les tâches de la panthère. Bon, moi, franchement, j'aime beaucoup. J'ai fait beaucoup de choses et je vous le présenterai, sans doute lors de la prochaine vidéo de présentation. Alors, je vous dis quand même, c'est la référence 160 841 et c'est dans la page 45 du catalogue saisonnier et ça coûte 19 euros les 12 feuilles. Bon, moi, comme j'aime beaucoup, j'ai pris directement deux paquets parce que vous savez bien que ça ne va pas durer, surtout que cette année, Stampin' Up! A modifié ses durées de catalogue et donc les saisonniers ne vont durer que 4 mois. Ce qui me pose d'ailleurs un gros problème, parce que comme j'ai beaucoup aimé de choses, je vais avoir du mal, je vais vous présenter des choses avec beaucoup de retard, parce que en 4 mois, on n'a pas le temps de tout faire. Bon, donc, alors, ça, c'est la première version de ma carte ultra simple. Et là, c'est le format d'aujourd'hui. Alors, le format d'aujourd'hui, j'ai choisi 13 sur 21 avec un pli à 7. Donc il y a 14 en dessous et 7 au-dessus. Voyez? Ensuite, en papier de matage, alors j'ai dû mettre 12,5 sur 13,5. C'est cela même. Et je vais couper à. Qu'est-ce que je veux dire? 7. Si je mets 7, comme je vais mater. Non, il ne faut pas que je fasse ça. Je réfléchis. Je vais couper à 7,3. Je pense que 7,3, c'est bien. Je m'explique. Je veux que. Voyez, je veux maintenir le motif. Ben non, c'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas bien. Alors, ben, je vais tricher. Je vais tricher et je vais couper un tout petit peu là. Qu'est-ce que je vous dise? Je vais couper 1,5 cm. Le rabat. J'ai pas vraiment coupé 1,5 cm, j'ai coupé 4 mm pour l'instant. On va voir ce que ça donne après. Parce que ce que je veux, c'est mater. Vous voyez? Mettre ça là. Et qu'il y ait la continuité du dessin, que ça passe inaperçu. Vous voyez, d'habitude, je mate sur tous les côtés et je ne mate ici, là. Alors que là, je ne vais pas mater pour qu'on ait la continuité du dessin. Voilà. Hop. Alors, ah mince, j'ai dû travailler ma colle entre-temps. Et je ne sais plus ce que j'en ai fait. Bon, je mets mon écharpe dans l'autre sens, comme ça. Ça ne va pas se mettre devant. Alors, c'est vrai que j'aime beaucoup les métallisés. Mais aujourd'hui, justement, comme la première version, je l'avais faite en métallisé, là, je fais une version non métallisée. Et comme c'est une carte ultra simple, eh bien, on va faire des choses. Comme je vous le disais, très simple. Voilà. Donc là, je le mets bien au bord. Et là, je le remets bien au bord avec ces petits motifs. Vous voyez, hop. Voilà. Ah, j'ai un petit peu décalé. Dépêchons-nous tant que ce n'est pas sec. Voilà. C'est parfait. Et viendra se coller ici le reste. Mais pour l'instant, évidemment, on va faire des tamponnages. Alors, j'ai choisi des couleurs. J'espère qu'on va les voir. J'aurais peut-être dû prendre plus sable que brume dune, mais tant pis. Et mon pot, je vais le faire. Je vais peut-être le faire en gris, puisque mes taches sont grises. Donc, je vais prendre le gris souris. Comme ça.
Je n'avais pas encore décidé. Alors, donc, évidemment, ça, je l'avais fait avec. C'est le. Alors, ça dépend du format ou est-ce que c'était le même? Je ne sais plus. Non, je crois pas. Voilà. Là, c'est le deuxième parce que j'ai fait ma carte plus. Elle n'est pas vraiment carrée, mais enfin, bon, voilà. Hop. Et là, c'était le troisième rectangle couture. Je vous ai pour donner les références, mais ça, comme c'est un. On va dire incontournable. J'ai ça qui est déjà découpé. Non, c'est trop grand, ça me fait pas. Bon, donc, on revient donc à nos tamponnages. Alors là, c'est de la résine et là, c'est du caoutchouc. Donc, les caoutchoucs, on va les faire après. Et là, bien évidemment, je n'ai rien collé dans la partie supérieure puisque on va d'abord réaliser les tamponnages. Alors, comme je vous l'ai dit, ce sont des tamponnages en deux temps. Hop. Je pense que je vais mettre mon bonsaï là, à moins que je fasse l'inverse. Hop, je change de pied. Alors, bon, pour faire du tamponnage en deux temps, ce n'est pas compliqué, mais il faut une feuille de brouillon. Hop. Voilà. Donc, on va commencer. Alors, évidemment, il faut avoir assez de place pour mettre tout. Donc, là, je ne vais pas tout faire maintenant, mais je vais positionner mon arbre. Alors, l'arbre, hop, hop. Voilà, ça c'est là, ça c'est l'arbre plein, mais je vais commencer par celui-ci, parce que il est plus grand, il va jusque dans les, voilà, donc, je pense que comme ça, ça serait pas mal. Je veux pas que ça soit trop haut, je vais peut-être le remettre encore un petit peu plus bas, voilà. Donc, à mon avis, pour ces tampons-là, l'idéal, c'est de commencer par, on va dire, le bois. Alors, là, je fais la partie, normalement, alors là, je vais la faire en, j'ai pris couleur café, et là, je vais le faire en, on va dire, foncé. C'est parfait. Hop. Donc, j'ai bien tout. Je regarde si j'ai bien tout le motif. Comme c'est un motif qui est discontinu, donc il faut s'assurer qu'on a bien appuyé partout. Mais normalement, il n'y a pas de souci. Hein. Hop. Voilà. Et ensuite, on va venir mettre celui-ci. Donc là, c'est quand c'est des tamponnages comme ça en deux temps, c'est obligatoirement des polymères ou résine. Pour, on dit résine souvent, mais je crois que le vrai terme, c'est polymère. Parce que sans ça, on ne peut pas être sûr d'être bien sur la bonne partie. Alors là, hop, il ne faut plus bouger. Donc, on encre. Et là, je vais décharger. Voilà. Et maintenant, voilà. Donc, le tronc ne vient que dans cette partie un petit peu hachurée. Voilà. C'est parfait. Alors, ensuite, on va mettre... Hop. Alors, je range mon tronc. Alors. Hop. Je vais mettre mon vase, bon, je sais pas comment on peut dire,
Quel est le terme exact? Va mettre. Ah, mais j'ai fait que des bêtises, j'ai fait le tronc gris. Bon, pourquoi pas? Après tout. Hop. J'ai fait que des bêtises. C'est parce que j'ai été chercher le gris et j'ai pas du tout fait attention. Bon, c'est pas grave. Bah, je vais faire mon pot en couleur café, ça. Je trouvais que mon couleur café était un peu clairon, mais maintenant je comprends mieux. Donc, on va faire une version très différente. Voilà. Et maintenant, je vais faire mon. Alors, donc, pour faire mes feuillages sur de brume dune, je ne sais pas ce que ça va donner. Hein. J'ai opté pour soyeuse succulente. Et j'espère, de toute façon, on verra, que ça sera suffisant. Alors, en premier, je mets ceux qui sont comme ça, partiels. Et je mettrai les pleins après. Je sais pas si je fais bien. Non, on va mettre les pleins d'abord. Parce que là, ça me permet de bien viser les petites branches. Je pense que c'est mieux. Voilà. Alors, cette fois-ci, je range le couleur café. Alors, au lieu d'avoir fait les troncs en marron et puis le socle en gris souris, j'ai fait exactement l'inverse. Mais pourquoi pas? En général, je me fie quand même plus à la nature. Mais bon, aujourd'hui, c'est un jour. Alors là, c'est le plein. Alors, le plein, je colore bien. Je décharge. J'appuie pas fort, hein, mais je décharge quand même bien. Voyez? Et là, je vais mettre le fond, on va dire. C'est très clair. Comment je peux faire? Bon, je vais refaire une fois. Mais je veux toujours décharger. J'ai peut-être moins déchargé. De toute façon, les partiels, je vais peut-être les faire deux fois. Parce que le fond n'est pas neutre. Hein, brume dune. Enfin, c'est neutre quand même, mais je veux dire. Alors là, je ne sais pas si vous voyez. Mais alors moi, j'adore. C'est vraiment extrêmement joli. Alors, moi, je trouve que la solution, c'est le Temparadus. Mais si vous n'avez pas le Temparadus, il faut vous mettre bien au-dessus. Regardez, vous avez donc les petits arbustes qui dépassent des petites branches. Franchement, c'est extrêmement chouette. Bon, de toute façon, tout ce qui a lieu tient à l'Asie est pour moi des incontournables, mais vraiment ceux-là, ils sont vraiment beaux. Après, je peux comprendre que les gens ne soient pas fans d'Asie, hein. Voilà, ça me paraît bien. Alors là, surtout, je ne décharge pas parce que je veux foncer. Et même si ce n'est pas assez foncé, je vais refaire deux fois pour être sûre d'obtenir ce que j'aimerais. Je suis désolée, j'appuie. Donc, vous voyez, donc là, on voit un petit peu. Je vous montre quand même. Un petit peu. Mais moi, je veux refoncer. Alors, je pourrais faire aussi avec, par exemple, épinette enivrante, mais je ne voulais pas trop foncer non plus. Voilà. Alors là, moi, c'est parfait, là. Voilà. Avec deux passages, je trouve que c'est parfait. Et je vais d'ailleurs mettre mon souhait en soyeuse succulente toujours. Alors, ça, c'est des couleurs qui vont disparaître, hein. Et alors, cette année, donc, il va y avoir une refonte de couleurs. Donc, les 5 in color 2020-2022 vont disparaître et d'autres vont disparaître. Alors, où je tourne la vidéo, je sais qu'il y en a qui vont disparaître, mais je ne sais pas lesquels, donc je ne peux pas vous le dire. Alors, peut-être que mes amis démo le savent, mais moi, malheureusement, je n'ai pas l'info. Donc, hop, je pousse ça. Et donc là, l'autre, j'avais mis quoi? J'avais mis un petit mot. Ben oui, je trouve que c'est très pratique. Parce qu'après, hop,
Ici, vous mettez ce que vous voulez. Alors, effectivement, mon pliage, je vous l'ai pas dit tout à l'heure, il est un petit peu différent. C'était le but, hein. Mais vous voyez, moi, je peux écrire partout là. Et là, c'est. Enfin, pas là, mais hop, là. Bon, évidemment, là, j'ai mis la déco, mais ça m'empêche pas d'écrire partout là. Et puis, à la rigueur, je peux aussi écrire là. Hein. Donc, alors, pour. Je vais pas mettre en anglais, ça, c'est sûr. Alors, je vais mettre, je pense à toi, parce que je ne veux pas mettre la même chose. Alors, je pense à toi. Alors, moi, j'aime mieux faire comme ça, vous voyez, je vais mettre le grand. Voilà. Comme ça, donc j'ai, je ne l'ai pas dit, mais j'ai enlevé le tapis de luxe, puisque je passe au caoutchouc. Et là, c'est pareil, je vais tamponner deux ou trois fois. Puisque je suis en sur du brume dune, donc il faut que voilà, c'est parfait. Là, j'ai fait trois fois. C'est vrai que sur le blanc, forcément, ça serait vu tout de suite. Et ça, alors ça, c'est impossible à faire si vous n'avez pas le Stamparatus. Tamponnage multiple, ça, c'est impossible. Voilà, donc vous voyez, c'est, je l'avais dit, hein, ultra simple, ultra simple. Là, j'ai juste voulu vous montrer, bon, d'abord parce que j'adore ce motif, et puis c'est toujours bien d'avoir un petit plus, on va dire, dans la vidéo. Donc là, vous avez vu le tamponnage multiple, mais tamponnage multiple ou pas, c'est ultra simple. Voilà, donc, hop. Je remets mes petits outils quand même. Je ne sais plus où mettre mes affaires. Bon, le coupe-papier, j'en ai plus besoin. Hop, on va l'enlever aussi. Puis ça fait gagner de la place. Voilà. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre de la colle. Hop. Voilà. Alors là, je l'avais mis en mousse 3D. Bon, aujourd'hui, je vais mettre en pas mousse 3D. On va changer. Alors, si vous voulez être sûr de pas faire de bêtises, enfin, on peut aussi faire comme ça, hein. Au niveau hauteur. Hop, et là, on prend la règle, toujours la règle, pour être droit. Là, je n'y suis pas du tout. Droite, je regarde où sont mes plis. Voilà, là je suis droite, je suis pas centrée en hauteur, mais c'est pas grave. Voilà ce que ça donne. Ah, je suis peut-être un peu loin. Hop, heureusement. J'ai mis beaucoup de colle. Voilà, parce que mon système là, il était bien, sauf que. Impeccable. Là, je suis à 1 cm du bord gauche de ma carte. Et du coup, j'ai 1 cm là. Et ça me paraît plus joli. Vous voyez, j'avais mis un peu trop à droite. L'avantage, c'est alors mettre de la colle, mais être très réactif ou ne pas mettre trop de colle. Ou tracer à l'avance, etc. On aurait pu centrer. Bon, moi, je n'avais pas envie de spécialement de centrer. Et je vais essayer de mettre quelques petits pois. Alors, j'ai encore normalement. Il va falloir juste que je mette la main dessus. J'ai encore quelques petits pois incolores de cette version, sauf que évidemment, comme d'habitude, je ne vais pas mettre la main dessus. Comme ça, avec moi. Ah, ça y est, je les ai. J'ai dit des bêtises. Voilà, donc là, c'était les incolores. Donc ça, c'était de l'année d'avant encore, je pense. Donc là, il y avait papaye pâle, pierre rose polie. Bon, le papaye pâle, je trouve qu'il est pote, il correspond pas trop comment ça s'appelait? Et puis ben, les soyeuses succulentes et les épinettes enivrantes. Donc moi je vais rester là-dessus. Plus j'adore ces strass. Alors là, il y en a un qui est resté collé sur mon truc. Donc allez, on va en mettre par là. Donc là j'en ai. Alors, on va en mettre. Comme ça.
D'accord. Et par là, alors là déjà, il y en a un, voyez, quand j'ai un petit i, ça c'est sûr, je mets le truc dessus. Et puis un par là. Voilà. Ça me plaît bien comme ça. Donc là, je n'en avais pas mis du tout. Donc, j'aime bien varier. Mais ça, les strass, c'est vrai que c'est quelque chose. Enfin, pas forcément strass, hein. Les pois pailletés, etc. J'aime beaucoup, beaucoup. Hop. Faut juste que. Parce que le petit sac est un peu déchiré. Donc, technique comme une autre pour ne pas perdre les morceaux. Voilà, donc vous voyez, ben forcément, quand c'est une carte ultra simple, la vidéo est souvent plus courte, puisque, bon, ça, on n'en a plus besoin. Alors, on va mettre les... Comment je fais? On va faire ça. Ça paraît pas mal. Voilà, très bien. J'ai réussi à tout caser. Voilà, donc un format vertical. Donc je vous avais dit 16,5 en largeur sur 15. Et le DSP du coup a maté partiellement. Et là, 13 sur 21. En fin de compte, j'ai mis à 20,5 puisque j'avais mal coupé mon DSP pour un matage. Ce que j'appelle partiel, c'est que j'ai un matage sur trois côtés. Et là, le motif se poursuit. Et là, c'était la même chose. Voilà, comme d'habitude, quelques photos. Donc le petit récapitulatif avec le matériel et les photos des deux cartes, celle réalisée sous vos yeux et celle que j'ai réalisée juste précédemment pour pouvoir vous proposer un projet. J'espère que ça vous inspirera et que vous pourrez ainsi créer des cartes très simples et donc très rapides pour pouvoir faire plaisir à vos proches. Je vous donne rendez-vous vendredi. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien et gros bisous!